Salut à tous, je me présente, je m'appelle Laurie et s'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est la cuisine. Et vu que c'est bientôt Halloween, j'ai pensé à une petite recette sympa. Alors en fait, on va faire des œufs durs avec des veines, comme celui-là. Il suffit juste de prendre un œuf et de le mettre à cuire dans l'eau bouillante pendant environ 8 minutes. Et pendant ce temps-là, on va remplir un bol avec de l'eau et du colorant. Alors moi, j'ai choisi de prendre du colorant alimentaire en poudre, puisque c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais vous pouvez prendre aussi du colorant liquide ou même de la grenadine. Ça donnera aucun goût à l'œuf et ça marchera tout aussi bien. Après, vous dosez le colorant en fonction de la couleur que vous désirez. Moi, je pense que là, c'est assez rouge, mais si vous voulez en mettre plus, vous pouvez y aller. Donc là, ça y est, ça fait 8 minutes, donc je vais sortir mon œuf de l'eau. Le passer sous l'eau froide pour éviter de me brûler. Et maintenant, je vais le casser. En fait, je vais le tapoter doucement pour casser juste un peu la coquille, mais pas trop. Et en fait, c'est comme ça, là, avec les petites cassures sur la coquille, que ça va former les veines. Et voilà, il est un peu cassé partout, voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à le plonger dans le colorant. On a laissé reposer notre œuf pendant au moins un quart d'heure. Maintenant, on va terminer de le cuire dans l'eau bouillante. Là, on a laissé cuire l'œuf 5 minutes après l'avoir trempé dans le colorant alimentaire. L'œuf est cuit, donc on le sort de l'eau. Je vais une nouvelle fois le repasser sous l'eau froide. On enlève la coquille. Et là, comme par magie, des veines apparaissent. Et voilà, un œuf parfaitement comestible pour une soirée horrible pour Halloween. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.